Appelez-moi Franco le mignon. J'ai la prophétie de Franco le mignon. La Vierge Marie m'envoie faire la prophétie de Franco le mignon. Franco le mignon, amène-toi ici. Écoute-moi très bien. Je parle au nom de la Vierge Marie. Et si ceci n'est pas un jeu, Franco le mignon. La Vierge Marie t'a déjà tenté deux fois. La première fois, elle t'a envoyé un avertissement. Elle a essayé de brûler ton studio. La deuxième fois, ta femme a eu un accident. Mais tu ne sais pas réellement ce qui se passe. Je suis venue te parler. Parce que je suis la prophétesse Sivingena. Je suis la prophétesse de Dieu. Je ne suis pas là pour chercher la visibilité. Je ne cherche pas l'argent. Écoute-moi, ouvre tes oreilles et tu m'écoutes grandement. Le Seigneur me charge de te dire ceci. Tu ne peux pas être un homme à qui Dieu a donné le nom qu'avait le milliard. On ne peut pas avoir dans la vie. Apparemment, je vois les jumeaux chez toi. C'est comme si tu es Tani. Tani, Tani, je vois les jumeaux. Je ne sais pas si c'est chez toi. Mais je parie que ces jumeaux-là sont chez toi. Tu dois être le père des jumeaux. Tu es Tani, le seul nom donné par Dieu. Le seul nom qu'avait le milliard, personne ne peut avoir ce nom dans le monde entier. Dieu t'a donné les jumeaux. Et je vois l'enfant qui est né derrière les jumeaux. Si ce n'est pas chez toi, tu cherches l'enfant qui est né derrière après les jumeaux dans la famille. Écoute-moi très bien, Franco le mignon. Dieu me charge de te dire ceci. Tu ne peux pas avoir une bénédiction dans ta maison. Tu ne peux pas avoir un sanctuaire dans ta maison. Et tu pars dans les fausses églises chercher la bénédiction. Les jumeaux que Dieu t'a donné là, voilà ta bénédiction. Continue. Je vois la richesse devant toi, Franco le mignon. Mais je ne sais pas pourquoi tu passes ton temps à t'embrouiller. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Dieu me demande de te demander que tu cherches quoi réellement. C'est quel genre de bénédiction que tu cherches. Et Dieu me charge de te dire ceci, Franco le mignon. Premier traitement, tu ne sortiras jamais de la maison sans que les jumeaux ne sourient. Jesus is Lord. Deuxième traitement, tu ne retourneras jamais dans ta maison. Je dis bien jamais, au grand jamais, au grand jamais. Dans ta maison, sans un paquet. Écoute-moi très bien. Même si tu n'as, je dis, quel que soit le cas, quel que soit l'âme, pour que tu rentres chez toi, tu dois avoir un paquet qui va faire sourire tes enfants. Just pray. Tu vas bien traiter ta femme. Jesus. Tu dois faire le paquet de l'enfant qui est né après les jumeaux. Si ce n'est pas chez toi, c'est dans la famille. Tu fais leur paquet. Tu fais un paquet à la mère des jumeaux. Tu dois faire une fête où il y aura le poussin, il y aura le jujube, il y aura le sel, il y aura les mets de pistache. On va faire le poisson des jumeaux. Et tu vas inviter quelques femmes qui ont les jumeaux. Et tu vas partager. Tu vas venir ici à Douala de toi-même. Parce que je suis une jumelle. Je suis née à 18 mois de grossesse. Je suis venue avec les pieds, avec les dents. J'ai parlé dans le ventre. Tu vas venir me donner un paquet. Et ce que je suis en train de te dire, c'est d'extrême urgence. Si tu veux, tu négliges. Si tu veux, tu m'écoutes. Après avoir fait tout ce travail-là, tu vois ce que Dieu va te donner. Franco le mignon, ne t'embrouille plus, papa. Ne pars plus dans les églises. Ne pars pas chez le marabout. Ta fortune, ce sont tes jumeaux. Tes jumeaux. Vois les jumeaux. Je crois que tu es le père des jumeaux. Où il y a les jumeaux dans la famille. Mais Dieu me montre que tu as les jumeaux. J'ai déjà parlé. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, tu ne m'écoutes pas. Et je t'ai dit que c'est d'extrême urgence. Les jumeaux sont très fâchés contre toi. Les jumeaux sont très fâchés contre toi, Franco le mignon. Tu nous laisses. Nous sommes ta bénédiction. Nous sommes tout ce que tu as. Nous sommes ton sanctuaire, nous sommes ta richesse. Tu peux chercher quoi dans les églises? Tu as le seul nom que c'est Dieu qui donne, le nom de Tani. Laisse ça, tu peux chercher quoi ailleurs? Si vous voulez, vous prenez ce que je dis en considération. Vous voulez vous jouer avec. D'ici quelques temps, vous verrez ce qui va se passer. J'ai parlé et j'ai fini. Et fais vite ce que je te demande de faire. Et tu verras la richesse que Dieu te garde. J'en ai terminé. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places
avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.